Salut à tous, c'est Xuscarter pour YouTube, pas une extension sur Twitch, et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Hogwarts Legacy. Non, fallait que j'aille juste là. Vous là, oui, vous, je me demandais... Vous vouliez me voir, monsieur? Oui, Sir Nicholas de Mimsy Porpington, à votre service. C'est un honneur, Sir Nicholas. Je sais que vous avez trouvé un livre dont il manque des pages. Je peux peut-être vous aider. Suivez-moi, si vous le voulez bien. Ce n'est pas très loin. Attendez. Comment savez-vous pour le livre? Et aussi... Les informations circulent entre fantômes. Monsieur Palot et vous avez été aperçus dans la réserve de la bibliothèque. Pas d'inquiétude, je garderai le secret. Revelio. C'est peut-être une conclusion hâtive, mais je crois savoir qui a récupéré ces pages. Je serais ravi de vous conduire à lui, si vous aviez l'amabilité de me rendre un petit service en chemin. Un petit service en échange de ces pages. Oui, ce n'est pas grand-chose, vraiment. Je vous saurai gré d'aller faire un saut dans la cuisine pour vous procurer un peu de roast beef avarié. Je vous demande pardon. Un roast beef? Un roast beef avarié? C'est exact, du roast beef avarié. En flottant à travers au bon moment, on peut presque en sentir le goût. Je devrais pouvoir m'en charger. Mais pourquoi moi? C'est très simple, mon jeune ami. En tant que fantôme, je ne peux le porter. À présent, si vous voulez bien récupérer le roast beef, je vous expliquerai tout le reste en temps voulu. Ah, nous y voilà. Chatouillez la poire et entrez. Comment ça, chatouiller la poire? Oui, sur la peinture. Je vous attends ici. Réveillon. Essayez de ne pas déranger les elfes de maison. J'imagine. Qu'à fumer du roast beef avarié. Un élève? Les élèves dans sont la incompréhensibles. Mais pourquoi? Il devait avoir froid, j'imagine. Tu sais à quel point les humains. Revelio. Ça facilite. On la tasse la roast beef. Ça sent très bon ici. Voilà du roast beef, mais il n'est pas avarié. Je dois continuer de chercher. Oh, quelle odeur répugnante. Je ne dois pas être loin. Oh, un élève! Mais quelle chance! Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Une pâte à citrouille? Ou peut-être une tartine au fromage? C'est appétissant, mais j'ai juste besoin de ce roast beef avarié. Ah, c'est Nick qui vous envoie, n'est-ce pas? Servez-vous. Finky suppose que Nick en a assez de rôder ici pour tenter d'éveiller le souvenir du goût de la nourriture. Est-ce vous et les autres elfes de maison qui invoquez la nourriture servie dans la grande salle? Bien sûr que non! Même les elfes de maison ne peuvent pas créer de la nourriture par magie! La nourriture est l'une des 5 principales exceptions à la loi de Gamp sur la métamorphose élémentaire. Nous pouvons en revanche la multiplier, la métamorphoser et, bien sûr, la préparer. Ensuite, nous l'envoyons dans la grande salle.
Y a-t-il des restrictions en termes de ce que vous pouvez cuisiner? Finky ne pense pas. Cependant, Finky a toujours beaucoup de succès avec les recettes d'Elga Pouf Souffle. Sa tarte au coin est réputée. Mais la nouvelle recette de Haddock commence à être appréciée également. Les élèves ont-ils le droit de se promener dans les cuisines? Eh bien, puisque vous le demandez, les élèves ne sont pas censés être en cuisine. Mais cela ne dérange pas Finky. Rien ne fait plus plaisir à Finky que la compagnie des élèves. Nous n'avons que peu de visiteurs et beaucoup de friandises. N'hésitez pas, revenez quand vous voulez. C'était un plaisir de vous rencontrer. Merci pour le roast beef. Mais de rien, et le plaisir est partagé. Passez le bonjour à Nick de la part de Finky. Rebellion. Il n'y a rien de meilleur qu'un repas préparé par un elfe de maison. Ouais, donc ça doit être à l'étage au-dessus qu'il y a le truc alors. Ah, vous revoilà. Aucun souci, je présume. Aucun. Finky vous envoie ses salutations. En plus du roast beef à Marie. Ravi de l'entendre. Ce Finky est sympathique. Bon, allons porter ce roast beef à Sir Patrick de l'année Podmore. Cela devrait vous aider à trouver ces pages. Tout cela est bien mystérieux, Sir Nicholas. Que se passe-t-il? J'en suis navré, je m'emporte un peu. Sir Patrick dirige le club des chasseurs sans tête, un groupe de fantômes décapités qui se réunit pour différentes activités et tétés. Pour chasseurs sans tête? Oui, vous verrez bien. Bref, j'ignore pourquoi, mais un membre du club, Richard Chouka, détenait ses pages quand il était en vie. Mon plan consiste à apporter le roast beef avarié à Sir Patrick pour qu'il m'autorise à entrer dans le club pour parler à Richard Chouka. Allons-y. Je croyais que le roast beef était pour vous. Ce n'est pas faux. Vous voyez, j'essaie depuis un certain temps d'entrer dans le club. Si j'offre le roast beef à Sir Patrick, je crois que cela pourrait m'y aider. Et bien sûr, vous aider aussi. Qu'est-ce que je devrais faire quand on rencontrera le club? Laissez-moi leur parler. Ils peuvent être quelque peu hautains. Je suis sûr qu'ils vous accepteront sans mal, cependant. En grande partie grâce au roast beef avarié que vous apporterez. Le club des chasseurs sans tête est dangereux? Les chasseurs sans tête ne mettraient jamais un élève en danger. Ce ne sont que des fantômes qui aiment s'amuser. Très bien. J'aimerais beaucoup rencontrer Sir Patrick et le club des chasseurs sans tête. Oh, merveilleux! Vous ne le regretterez pas. Je crois qu'il est impliqué jusqu'au bout. Restez derrière moi. C'est Sir Patrick qu'il nous faut. Honesta, regardez qui est là. Nous en avons déjà parlé, Nick, quasi sans tête. Bonjour, Sir Ansett. Permettez-nous. Nous avons quelque chose pour Sir Patrick. Il est sans doute venu pour nous supplier encore. Il vous parle toujours de cette façon? Ah, ils sont taquins. Quand Sir Patrick m'introduira dans le club des chasseurs sans tête, je serai des leurs. Ce cadeau le convaincra sûrement. N'oubliez pas pourquoi je suis là. N'ayez crainte, vous aurez bientôt les informations sur le jeune Chouka. Où qu'il se soit fourré. Je donnerais tout pour une cruche d'hydromel ou un bon gigot d'agneau au flageolet. Ces festivités seraient alors parfaites. Que diriez-vous d'un lot presque aussi bien? Sir Nicholas, et une jeune personne, que faites-vous ici? Nous avons un cadeau pour vous. Cela me paraît louche. Que voulez-vous réellement, même si je crois savoir? Eh bien, c'est Richard Chouka.
Où peut-on le trouver? Pourrait-on lui parler? Richard, c'est ça? Eh bien, il se trouve juste ici. En revanche, sa tête manque à l'appel. Je suppose que vous ignorez ce que ça fait, Nick. Non. Quel plaisantin. Elle doit bien être quelque part dans les parages. Elle sert sûrement pour un jeu. Si vous la trouvez, je vous donne l'autorisation de lui parler, jeune mortel. C'est le moins que je puisse faire pour vous, qui m'apportez cet exquis présent putréfié. Sœur, j'aimerais discuter d'autre chose avec vous, je vous prie. Sœur Nicolas, combien de fois devrais-je vous le dire? Nos règles sont parfaitement claires. Mais sœur, je... Nous ne sommes pas les chasseurs, sans tête à part un petit bout de tendon, après tout. À présent, permettez que je vous raccompagne jusqu'à la sortie. Au revoir, mon jeune ami. J'espère que vous aurez plus de chance que moi. Ma vie mortelle n'avait jamais été aussi distraite. Une carte. Elle semble pas avoir de lien avec les pages manquantes. Je vais la garder pour l'instant. Revelio. Le prochain à jouer à cache-cache au milieu des citrouilles. C'est encore moi. Pouvez-vous m'aider? Ah, vous n'êtes pas avec Sœur Nicolas. Où est-il passé? Pas du tout. Je dois parler à Richard Chouka. Sœur Patrick dit que sa tête est peut-être dans les parages. C'est bien possible. Il serait peu orthodoxe d'inclure un mortel, mais... si vous voulez vraiment lui parler... Oh, et puis pourquoi pas? Vous pourrez parler à Chouka, si vous trouvez sa tête parmi ses citrouilles. Et pas qu'une fois, 5 fois. Ce bon vieux dame frais déplacera la tête chaque fois que vous la trouverez. Voici les règles, qu'en dites-vous? Pourquoi utilisez-vous la tête de Chouka pour ce jeu? Eh bien, puisque vous le demandez, Chouka est notre membre le plus récent, alors nous aimons le mettre à l'épreuve. Pourriez-vous m'expliquer à nouveau les règles? Trouvez sa tête 5 fois. Comment êtes-vous entré dans le club des chasseurs sans tête? J'ai été exécuté en même temps que les autres mutins. Nous n'aimions pas la manière dont le comté était géré. Alors nous avons pris les choses en main. La trahison est un bien grand mot, mais ce fut le délit dont on nous accusa. Les choses se seraient bien mieux déroulées si on m'avait laissé diriger. Évidemment. Si c'est la condition pour parler à Chouka, alors je le ferai. Superbe! Bien entendu, votre baguette vous donne un avantage sur nous autres fantômes. Il vous suffit de tout faire exploser. N'oubliez pas, la partie continuera tant que vous ne l'aurez pas trouvé 5 fois. Allez! Je crois que nous allons devoir nous trouver une autre citrouille, hein, Chouka? Bon, peu importe, Domfrey. Je ne suis pas sûr de beaucoup apprécier ce qu'il se passe. Le fantôme a dit... Moi aussi, je pourrais le faire si j'avais une baguette. Et encore. Oh, on va s'amuser. Un être mortel participe. Revelio.
suis-je revenu ici? Revelio. Oh, on va s'amuser. Un maître mortel par ici. Bravo à vous, mais nous n'en avons pas fini. Revelio. Vous nous avez trouvé. Ce n'est pas encore terminé. Oh, on va s'amuser. Un être mortel parti. Revelio. Un être mortel. À présent, dites ce que vous avez à dire à ce brave Shuka. Vous l'avez mérité. Très joli. Mais qu'est-ce que cela signifie? Vous n'êtes pas membre du club des chasseurs sans tête? Non. Sir Nicolas m'a dit que vous pourriez savoir où se trouvent certaines pages que je cherche. Par la barbe de Merlin, je vois très bien desquelles vous parlez. Je les ai volées à Peeves. Comment ai-je pu oublier? La carte sur ces pages m'a mené à ma perte. Je n'étais pas prêt pour ce qui m'attendait dans cette grotte. Ces pages sont sans doute en train de moisir en compagnie de mes... restes. Une sacrée aventure, il me faut bien l'avouer. Ce sont ces pages qui vous ont coûté votre tête? Je dois donc me rendre dans une grotte et retrouver votre corps. Oui. Mais même un fantôme décapité fait la moue en entendant le mot « cadavre ». Dites, j'ai une idée. Et si vous me retrouviez à la lisière de la forêt interdite pour que je vous emmène sur place? Qu'est-ce que je vais trouver dans la grotte? En plus de mes restes mortels? Si je me souviens bien, quelques trésors, un pont magique et... Mais quel genre d'aventure serait-ce là si je vous gâchais la surprise? Quelqu'un vous a coupé la tête dans la grotte? J'explorais simplement les lieux quand j'ai senti un courant d'air frais si soudain que la tête m'en a tourné. C'est tout ce dont je me souviens. Bref, quand vous irez, préparez-vous. Je ne puis vous dire pourquoi précisément, mais vous le saurez très vite. Attention au courant d'air. Comment peut-on voler quelque chose à un esprit frappeur? Je ne lui ai pas volé les pages directement. Je les ai simplement trouvés dans son sillage de destruction. Il ne se lasse jamais de casser des choses. Livres, bouteilles, armures, tout ce qui peut semer le chaos. Je les ai trouvés alors qu'il saccageait la bibliothèque. Il ne s'est sans doute même pas aperçu de leur absence. J'ai besoin de ces pages, donc je ferai mieux de vous retrouver. Merci. Je vous en prie. Je dois juste retrouver mon corps d'abord. Mais Dumfrey peut se charger de cela. Retrouvez-moi près de la forêt. Bienvenue. Alors je trouve ça immonde, mais c'est plus fort, donc on va pas se plaindre. Bon, où en étais-je? Ah oui, oui, oui! Vous avez vraiment le sens des affaires. On ne m'accusera jamais d'avoir des rayons vides.
Oui, mais du coup, je fais comment ça? Comment je l'apprends le. Voyons quel tour tu as dans ton sac cette fois, Merlin. Les vieux sont... Action! C'est donc toi. Action, Merlin. Les vieux sont. Incendio. Action. Incendio, Portego. Action. Incendio. Des environs dormiront un peu plus tranquilles. Rebellion. Je devrais regarder ça de plus près. Revelio. Les habitants d'Iron. Action. Incendio. Tu devrais peut-être bouger. Protego. Action. Incendio. Je ne suis pas encore tout à fait prêt.
Ah ouais, d'accord, donc dans l'inventaire, j'imagine. Peut-être un des trois ponts là, j'imagine. Préolard, me voilà. Bon bah écoutez, on va laisser ça de côté pour l'instant. Il a pas envie, il a pas envie. Si jamais par miracle on devait le trouver, on le trouve, sinon... Désolé de ce petit désagrément. C'est tout? J'espère que vous avez fait tout ce... Professeur, j'ai terminé les derniers devoirs que vous m'avez donnés. Excellent. Alors vous allez pouvoir apprendre Expelliarmus. Écoutez attentivement. Le sortilège de désarmement suffit bien souvent à vaincre les mages noirs les plus puissants que vous pourriez rencontrer. Pour lancer des sorts, il vous faut un esprit concentré et une baguette stable. Bon travail. Le mannequin est là si vous souhaitez rester vous entraîner. Professeur, auriez-vous un moment ? Oui ? Qu'y a-t-il ? Je me demandais si vous aviez étudié à Poudlard. Oui. Je suis fier de représenter la maison Serre d'Aigle. Vu la couleur, je ne serais pas douté de notre Je me demandais si Poudlard avait changé au fil des années. Je vois. Eh bien, comme vous l'avez compris, le château est plein de surprises. Je pense qu'il n'y a pas que les escaliers qui changent ici. Quant aux élèves, eh bien, ils semblent plus dégourdis cette année. Même si vous semblez tout aussi espiègle qu'à mon époque. Lorsque j'étais préfète en chef, je fermais souvent les yeux sur les taquineries des élèves. En revanche, je peux vous dire que j'ai déjà sermonné un certain Phineas Nigellus Black pour avoir mangé des plumes en sucre en classe. Je n'avais pas réalisé que le professeur Black et vous aviez étudié ensemble. Les apparences peuvent être trompeuses. Vous savez, j'ai même été blessée par le temps un jour. Quoi que cela signifie, ça a l'air vraiment terrible. Eh bien, c'était le risque à prendre avec mon ancien poste. Vous avez peut-être entendu dire que j'avais été langue de plomb au ministère pendant des années.
Une langue de plomb ? Qu'est-ce que... Ah ! Comme vous pouvez l'imaginer, je ne peux rien dire à ce sujet. Je dirais simplement que ce travail n'était pas sans danger. Bien, j'espère avoir satisfait votre curiosité pour l'instant. Tout à fait. Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Continuez à travailler vos mouvements de baguette. On ne sait jamais ce qui nous attend au château ou à l'extérieur. Il n'y a rien qui survit. Hein. Je sais pas ce qu'il a fumé lui par contre, mais... Lumos. Ah. Des bougies enchantées? Je me demande où elles vont. Les bougies semblent nous mener jusqu'à la forêt interdite. Le trésor ne doit pas être loin. Peut-être que certains trouvent ça romantique d'aller pique-niquer. J'adore les chasses au trésor. À chaque fois j'oublie. Incendio. Incendio. Revelio. Incendio. Revelio. Et du coup, ça fait quelque chose?
Oh, ça fait rien en fait. Action. Bien, du coup, moi, je vais m'arrêter là pour cet épisode et je vous dis à très vite pour la suite. Salut tout le monde!